Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. Chers amis, on reprend. Pour un coup surpuissant. Oh, mais je l'ai pas encore, ce truc là, moi. J'ai un projectile capable de transporter toute cible sur trajectoire. Maintenez enfoncé LT pour charger l'attaque et l'exécuter en provoquant encore plus de dégâts. Mais je ne l'ai pas encore de disponible. Oh putain, il a une perche à selfie, ce con. Avec une tronçonneuse. Donc j'imagine que c'est à la tronçonneuse, en fait. Ce qui serait intéressant, vu que je viens de l'obtenir. Ok. Bon, pourquoi pas. Je retourne ça, parce que là, normalement, ça a été monté hier soir. J'ai juste oublié d'enlever. Crac. Tout ça. Non, je ne fais pas de cochonnerie, chers amis. J'efface juste un truc de tableau blanc. Voilà. Hop. Ok. On m'a donné une astuce. Je sais pas si c'est viable. Alors, on me l'a expliqué sur Steam, parce que des gens ont vu que je jouais à ce jeu-là, forcément. Du coup, réaction. Il faut que je trouve un magasin. Et apparemment, en grimpe... Alors, un magasin avec une arme dedans. Prévu pas trop loin. Attention, hein, l'explication de fou. Et dans ce magasin... Alors, où est-ce que ça va être? Et dans ce magasin, il y a moyen d'avoir une arme plutôt que ce qui est censé être prévu. Quand on m'a dit ça, j'ai fait ouais, je te le dis. Mais bon, je veux bien chercher. Ah, ça ressemble au magasin en question. Il y a une arme qui est censée être là, mais qui n'y est pas. On m'a dit, il faut sauter sur le toit, aller voir derrière des choses. Non, il faut sauter sur une armure. Il y a une arme là. Merde, raté. Ce serait là. Non. Merde, j'ai sauté encore une fois, faut pas que je ressaute. Oh merde. J'ai cassé des choses. Re, chers amis, alors apparemment ça aurait été patché, hein. C'est-à-dire qu'on en a rediscuté, et pour la blague, il veut pas du coup que je dise son nom. On a rediscuté, on a cherché un petit peu à deux, et apparemment c'est patché maintenant. Alors soit c'est patché définitivement, soit c'est du suite, il m'a dit, à l'événement d'hiver, parce qu'en fait apparemment il n'y a pas de neige normalement ici, et ce serait potentiellement la neige qui nous bloque, pour vous dire. Donc voilà. Hideo, bonjour. Hey, what's going on, Hideo? The usual, training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Girl. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Well, what? You're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up on new and better ways to fuck shit up. Récompense, occultation et Z Saber de Zaibatsu. Ok, je prends. What the?
J'aime. Ah putain, ça consomme des munitions. Oh. Mais pas la tronçonneuse. Duke. Ok, bon c'est pas grave. Je peux pas avoir la... Ah si, ça y est, je peux avoir la plus grosse map. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, y'a un truc. Y'a un symbole. Y'a un point sur quelque chose. Mais je ne sais pas à quoi il correspond. Il va y avoir un objet caché quelque part. Pas de cadeau et pourtant il va y avoir un truc. Hein. Bizarre. Bizarre alors. Je sais pas ce qui est marqué parce que la texture en fait est la même de chaque côté. Ma gna 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 gna. Pick under. Putain. No. Quelque chose. Under. Pick under. What? Tu m'as poussé. Fais gaffe hein, j'ai une autre tronçonneuse. Merde, elle est là. Ce bruit. Oh. Ah, bon appétit bien sûr. Bonjour Hideo. C'est la forme. Ok, bon on va quand même aller bosser un petit peu quand même. Je veux pas dire mais. Personne a genre une quête à me donner ou oui j'ai bien vu le point d'exclamation, j'en ai mis moi là, je vois un mec qui vend des armes surtout. Hein. Il veut pas me parler, c'est à moitié un démon. Il n'y a pas un mec là normalement. Si voilà il est là mais. Ok, bon bah écoutez, ma voiture est toujours aussi cabossée. J'ai juste pas de bol, on va dire, c'est pas grave. Ok, on y va. Hop là. Ah ah. Oh oh. Ici. Bonjour. Si nous ne guérissons pas le corps de Kamiko plus vite, il sera irrémédiablement perdu. Et vous devrez cohabiter l'un avec l'autre définitivement. Je repasserai plus tard. How are things with your new roommate? Oh, you know it's great as long as she keeps her mouth shut. I have to ride around in this cesspool of your mind all day and not talk about it? I wish I had skin so I could crawl out of it. You pompous, oversexed idiot! She agrees. I very much doubt that. Please, treat her with respect and kindness, Lo Wang. She is very dear to me. Oh look, someone with manners. Shocking. I'm sure you two will find a way to put aside your differences in the name of the greater good. If by greater good you mean me getting my money, then I heartily agree. Money is an illusion used to hypnotize small minds. But it sure helps when you're trying to buy a bottle of good whiskey. Ugh. I need four things. First, a demonic rod. Un bâton de démon. Then the skin of a large mammal. And some raw chi crystals. They can usually be found near black rain pools. D'accord, ça semble très logique. The pools are what seems to be causing the mutations in the animals out there. Maybe I'll pick up some dinner while I'm at it. I would not recommend eating them. I'm doomed. I will also need golden chrysanthemum. The vendors in the marketplace usually have them. Wow, crystals and flowers. Hey dudes, we're going to harmonize our resonances and use them to levitate the Pentagon? Something like that. Come on, the sooner I have these materials, the sooner I can get Kamiko back where she belongs. All right, back in a jiff. D'accord, je m'en occupe. Déflagration de qui est l'éventreur? Oh, je prends. Mais du coup, il y a des trucs que je comprends pas. Comment ça se fait que j'ai des points orange? Apparemment, je suis résistant hein, en termes de lave. Alors, je vois qu'il y a un sac à dos là-bas. Parce que ça, c'est pas une personne. Il y a deux boutiques sur la montagne du dragon qui vendent des armes et des améliorations des compétences. La riche attaque spéciale d'armes à feu et tout genre. Spéciale des armes corps à corps à des pouvoirs. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ici? Feu céleste.
Feu céleste. Dégâts de feu plus 11%, dégâts des brûleurs plus 15% niveau 36. Feu extraordinaire. Ça a l'air sympa ça. J'ai pas le niveau pour. Niveau 29, c'est quoi ce rapport avec les niveaux? Oh, d'accord. Je pensais que tu vendais des armes aussi. Parce que pour l'instant, c'est pas des armes tout ça, hein, l'ami. Je repasserai plus tard. Invisible, je suis invisible. Je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible. Pendant combien de temps? C'est assez court, effectivement. Et en termes de consommation, ça a été assez violent. Le vendeur de guns, qui lui, je l'espère, aura des armes intéressantes à me fournir. Bonjour. Larry, how's it hanging? You know this guy? Old friend. You always make me smile, Lil Wayne. Il est toujours pété de rire, Lil Wayne. That's not it. You always make me fart. That's what it was. Oh, dégueulasse. It's Larry. You know, you're a real demon, you know that? That's what my mama always told me. What can I do for you? I actually have a very special request today. I need a golden chrysanthemum. Ooh, specialty item. Very hard to find. Come on now, Larry. I know you're holding, and you owe me one. It's a fair cut. Yakuza mess with you anymore? They still give me dirty looks from time to time, but there hasn't been an incident since you put the fear of Wang in them. I did do that, didn't I? And I do owe you one. Here, on me. Bring your wallet next time. Okay. Thanks for this. Thank you. You saved my business, maybe my life. Hey, let's not get weepy about it. I don't want you to start spitting acid everywhere. Racist! Demon! Big kiss. Ew. Assez épique. Bonjour, des munitions. Ouh, toutes les munitions, j'en ai pour 28 000 crédits. J'en ai que 52 000, hein, je veux pas dire. Oh, j'en ai que 52 000, quelle horreur! Akimbo! D'accord, c'est fou ça. Siphonnage APV plus 1,4%. Rayon de dégâts. D'accord. Siphonnage de ki. Âme de tireur d'élite. Dégâts des armes légères plus 30%. Oh la gueule. Ça a l'air tellement violent. Pourcentage de tir raté plus de 230%. Mais c'est juste pour le style en fait. Ok. Ok, ok. Donc il faut des crédits pour acheter certaines armes. Name is Larry? Ouais. Wow, his real name is unpronounceable. He wanted something his customers could relate to. And he chose Larry. Yeah, said he saw it in a video game. Nerds. Look who's talking, Dorcas. J'avoue. Ok, c'est parti. Sweet car. Is this our only transportation option? Ah, elle sort même maintenant. You got a better idea? Sorry, I'm just used to... What? Teleporting? Actually, you're not far off. What? I figured it out when I was training with Smith. It was an accident. You accidentally teleported. When I calm my mind, I can see these statues. And if I focus on one, it sort of pulls me to it. In the real world? How? I have no idea how it works, but I've been doing it for the past year. No wonder Smith took an interest in you. Here, close your eyes. I'll show you. Ok. Carte d'émission. Ouh! C'est la fête, c'est la fête. Je peux pas me télé... Ah si, c'est bon, je peux. Gâteau, boulot, dodo. Mission principale, mission principale. Mon héros. Ah, je veux prendre ça. Procurez-vous les ingrédients pour le remède à Kamiko. Mission principale. Fouillez le temple de Nostalgie et trouvez l'objet sacré. Oh. Ah, je peux refaire les précédentes missions. Oh, c'est cool. Ah non, je peux pas les refaire en fait. Ok, on y va. Téléportation. Et c'est parti. Je sais pas si on utilisera énormément le pouvoir d'occultation, hein, honnêtement. Je sais bien qu'on est censé être un ninja, mais quand même, faut pas exagérer non plus.
peux appuyer sur une touche pour lancer? Un tempérament de feu. Un coffre. De l'argent! Nouvelle cinématique. So, boss's daughter, huh? Must be nice. Oh yeah, it's great. You don't get a childhood and you never see your dad. Well, I'm sure he's a busy guy, but I bet he dotes on you. Wouldn't know. Never met the guy. What? Doesn't he live around here? Apparently. I guess criminal masterminds don't make the best parents. Mamushi Heika says it's a security precaution. A lot of people want him dead, I guess. How about you? I don't want him dead. I don't even care that he's alive. Well, he got you a pretty nice birthday gift. He did? What was it? Some kind of a amulet-looking thing. Well, does it do anything? I have no idea. You're beyond useless. Will you ask Smith next time you see him? Oh yeah, sure. I'll put it on my to-do list. Ouh, j'ai trop de trucs. Alors oui, j'attendais en fait, chers amis, parce qu'en fait, j'ai envie de... d'avoir quand même mon sabre sous la main. Hop. D'accord. C'est vraiment parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses par là. Tiens, regardez. Ça, c'était pas prévu, ça. Dégage. Ils explosent, cela, dis donc, ouais. D'accord. Ok. J'ai pris plus cher que prévu. Je corrige ça. Crac. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Alors, on va enlever la map. Pour le moment. Est-ce qu'il y a des bonus, des astuces, des machins, des trucs, des bidules? À chercher. Tout ce qui ressemble à bonus explose habituellement là dans ce jeu en fait. Quoi? Ah d'accord, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire dans la mission, ça peut se faire ici en fait. Ah non, c'est moi qui fais ce bruit là, putain. On essaie de comprendre ce que c'est que ce bruit. Ok, il y a du monde. Oh oui, venez. Attendez pas si on est aussi proche. Oh, si je laisse enfoncer, il se passe des choses. Perfection basique. Bonus de dégâts critiques, ok. En termes de ki, je vais récupérer ça. Je récupère ça, merci. Voilà. Je sais pas si l'utilisation du ki rapporte des points ou n'importe quoi, mais ça m'intéresse. Il y a des choses qui font des bruits bizarres quand même dans cet univers. J'ai l'impression de courir moins vite avec ma tronçonneuse, donc je sais pas si c'est qu'une impression. Vous êtes horrible. Effectivement, vous êtes horrible. Ok. Level up. Si je reste appuyé, regardez, il est plus long à couper. Ah, encore. Ok. Why not? Bonjour. Je prends cristaux de ki. Ok. Apparemment, il y a un coffre un peu plus bas. Ça, ça t'apprendra à vouloir me sauter dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas, il y a un truc qui brille jaune. Hey, wow. Keep your blood to yourself.
J'ai cru voir un gros truc qui m'a fait peur. C'est quoi ça? Oh! Foudre sublime! Ok, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même. Qu'est-ce que c'est que ça? Mesquinerie extraordinaire de sorcellerie. Dégâts aux petits ennemis plus 12% qui après avoir tué un ennemi 4. Oh, vache. Soit, je sais pas si c'est du bol ou si c'est normal, mais. Mais je prends. Compétences. Esprit serein. Coup en ki, moins 25%. Durée de condition. Oh! D'accord. D'accord, je suis en train de comprendre comment ça se passe. Donc là, en fait, j'ai fait capacité de soin plus 25%. Temps d'incantation de la flamme guérisseuse, moins 25% pour. D'accord, ok. Ok, je suis en train de comprendre comment ça se passe. Faut que je suffit de regarder, Marcus, en fait. Hein. D'accord. Je mets un point là, alors. Et pourquoi pas mettre. Un point là. Et il me reste un point au total. Un point là. Clairement, hein, ça me semble intéressant. Ok. En termes d'armes, forcément. Des cartes. Ah bah oui, il a des trucs électriques, lui. Ah non, toi tu pars en élémentaire, toi tu pars en foudre sublime, mon pote. Hein. C'est obligé. Hein. Toi, je vais te garder. Toi, je vais t'enlever. Je vais mettre le Descard. Mettre ici. Ensuite, je vais mettre ça. Hop. Parce qu'il a double dégâts électriques. Oh là-bas, j'ai encore des choses là-bas. Qu'est-ce que c'est? Cannibalisme extraordinaire. J'ai pas le temps de dire ce que c'était, quel con. Vache. Boum. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je les soigne ou quoi? J'ai l'impression de les soigner. Immunisé contre les pouvoirs, c'est ça non? Il est tellement long aussi à tirer. Ah putain, puis à la manette, c'est chaud. Mais je le soigne ou quoi? Do you know what's funny? You're full of holes. De puissance, il a marqué, lui. Bon. Oh la vache. Ok, tu veux te la mettre? On va se la mettre. Too slow. T'es mauvais. T'es mauvais. T'es mauvais. T'es mauvais. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Refuge classique. Ok, je prends. Il est juste mauvais cet homme. Ah oui d'accord, c'est ça qui. Et toi? Oh! Oh! Oh putain, j'ai cru que c'était une arme. Quelle horreur. Nouvelle cinématique. Parti. What was that stuff Zilla shot you up with? It's an experimental compound I've been working on. What's it do? At low doses, it acts like a recreational drug. Elicits euphoria, mild hallucinations, anxiety release, dependency. Huh. Sounds just like Shade. Shade? Yeah, you know that new junkie shit. I don't spend much time with junkies. What's it do at high doses? Above 0.05 grams per 10 pounds of body weight, the drug produces visions. You mean like maybe our universe is just one cell of a giant alien, or how do you throw away a garbage can? More like how do you reverse engineer the human biome to create implantable machines that can run off of endogenous cellular energy? Effectivement, c'est like that. Like très différent. So what did you see? Today? Nothing. Or if I did, I can't remember it. You were saying some pretty messed up stuff.
Yeah, well, no one's ever been given a dose that high before. Yeah, well, I can tell you from experience that Zilla's not such a fan of having ex-employees running around. Most evil geniuses are that way. An evil genius is still a genius. Even when he was firing me, he was doing science. Great. Now we know what to put on your headstone. Désolé, j'ai glissé. Ah, voilà, ça y est, je me dis. Wang un jour, Wang toujours. Putain, mais... Oh! Il est temps. Ah là-bas, j'ai été grabé par quelque chose. Ah merde, du coup, ça m'a annulé mon. Boum! Pouf! Bon, c'est pas drôle. Ah la vache. You feel lucky, Mary? Ah la vache, je suis mauvais avec ce. Bon, ça va, il court plus vite que moi. Question, je tire des balles de plasma ou. Oh man, yeah! Il court bien plus vite que moi. Ce qui, quelque part, me semble logique. Et je déteste me la viser au. À la manette, c'est terriblement horrible. Alors là-dedans, waouh, encore des choses. Empathie ordinaire, j'imagine qu'il y a plein de choses à vendre en fait dans ce jeu. Empathie classique, d'accord. Ok. Hop, merci. Donc là, c'est le point de départ. J'arrive pas à toucher avec ça. Waouh! Un gros! Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Tueur à gage stagiaire, d'accord? J'ai dû tuer un certain nombre de bestioles. Quel con. J'ai reculé dans le vide. Quel con. Attends, on est con. Oh la vache. Si j'avais su que l'arme était si puissante. Audace classique, munitions, santé. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Tu m'as rien donné de plus. Ah oui, voilà, d'accord, ok. J'ai les yeux qui piquent quand même quand je vois ce jeu, hein. Je veux pas dire, mais... Ok. C'est pas grave. Bon. Finalement, il est peut-être pas si mal visuellement en plus. Il claque. Ok. Pas par là. T'es déjà tombé une fois, Marcus? Pas deux, hein? Faut juste que je trouve comment qu'on passe. Ok. Ah, apparemment je suis pas tout seul. Ok. Pause, chers amis. Je regarde où on est dans l'épisode parce que là je m'amuse 25 minutes, donc plus le temps du début, d'accord, ok. Donc on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!